Le week-end dernier, Laurent Baffy a remonté la robe de Nolwenn Leroy dans Salut les Terriens, sans lui demander son avis. Un geste déplacé qui a fait polémique, mais la chaîne se tient à défendre le chroniqueur de Thierry Ardisson. On dirait que les équipes de Thierry Ardisson ont envie de faire du buzz cette année. La rentrée a démarré fort, une polémique à cause d'un faux sachet de cocaïne, un doigt d'honneur à Jean-Michel Apathy, un scandale sur la prostitution dans le milieu de la télé-réalité. Cette semaine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a même ouvert une procédure suite à une séquence signalée plus de 200 fois par les téléspectateurs. C'était samedi dernier, dans Salut les Terriens, Laurent Baffy, qui avait lancé que pour l'audimat, il faut du cul, avait relevé la robe de Nolwenn Leroy, une des invitées du jour, sans lui demander son avis. Je le laisse faire, parce que c'est Laurent, et c'est mon ami, avait immédiatement dédramatisé la chanteuse. On se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je lui laisse mettre la main sur ma cuisse. Fermez les guillemets, cela n'a pas suffi à empêcher la polémique d'éclater. Le geste, qualifié d'agression sexuelle par certains téléspectateurs, a choqué bien des commentateurs. Alors que Laurent Baffy se défend à sa façon, c'est-à-dire avec une bonne dose d'humour noir et une absence totale de remise en question, Nolwenn Leroy s'est exprimée auprès du Parisien sur cette affaire qui n'en est, selon elle, pas une. « Je ne comprends pas pourquoi cela prend de telles proportions, alors que j'ai désamorcé le problème tout de suite », confie-t-elle. Dans l'absolu, je comprends de telles réactions, car c'est un combat qu'il faut mener, mais là c'est le mauvais exemple et Laurent, la mauvaise personne à attaquer. Fermez les guillemets, la chanteuse l'assure, le chroniqueur de Thierry Ardisson est quelqu'un de bien. À la télé, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas misogyne, et qui est intelligent, c'est bien Laurent, assure-t-elle. Il m'a d'ailleurs depuis envoyé un bouquet de fleurs, et un petit mot plein d'humour. Fermez les guillemets, Nolwenn Leroy, fatiguée par la polémique, en veut bien davantage à ceux qui voudraient faire d'elle une victime. Avec mon caractère bien trempé, si je m'étais sentie agressée, je me serais défendue, et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure, lance-t-elle. Je l'aurais fait, avec n'importe qui d'autre, mais Laurent est effectivement cinquièmement un ami, on se connaît depuis 15 ans, et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Et puis quand on vient chez Ardisson, on sait à quoi on s'attend. La chanteuse s'étonne par ailleurs, que cette séquence ait choqué, car elle a l'impression qu'il lui est arrivé bien pire sur d'autres plateaux de télévision. Lorsque l'on m'avait craché à la figure chez Cyril Hanouna, j'avais trouvé ça plus que limite, et personne n'avait réagi. Fermez les guillemets, mais quand on vient chez Hanouna, on sait à quoi on s'attend, non ? /